Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour le Grand Prix des États-Unis avec une météo pluvieuse et donc des qualifications qui me font partir à la 11e place. La grille de départ que nous n'avons pas pu voir à l'issue des qualifs, donc Lewis Hamilton part en pole position suivi de son coéquipier. Quant à mon coéquipier, il part à la 3e place, suivi par Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Sébastien Vettel, Felipe Massa. Jenson Button, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, et donc je partirai 11e. Pour les stratégies d'arrêt au stand, un seul arrêt est prévu au tour 14 hein, pour rechausser des pneus pluie. Hein, comme vous le savez, la course est annoncée comme étant 100% pluie. Et donc, trêve de discours, nous allons rejoindre la grille de départ et espérer que tout se passe pour le mieux parce que qui dit conditions pluvieuses dit potentiellement safety car. Et beaucoup de rebondissements. Alors on a quelques circuits maintenant, quelques courses de la fin de la saison. Lewis Hamilton qui a pour l'instant une belle avance au championnat du monde des pilotes, qui pourrait peut-être même marquer les points et qui lui permettrait d'avoir le titre à l'issue de cette course. Mais nous n'en sommes pas là. Allez, le départ est donné. Ça patine un petit peu, ça se passe plutôt pas mal. La visibilité est assez compliquée. Attention au premier freinage. Je prends l'extérieur ici. Je suis Lewis. Ah, justement, là je me fais un petit peu coincer par une Red Bull. Ça touche là à l'arrière, je sens avoir été un petit peu touché par la Red Bull. Oula, ici avec la visibilité. On y va vraiment à tâtons. Alors, est-ce que effectivement l'IA aurait pris des réglages et cette fois-ci serait pénalisé par des réglages trop secs qui ont été utilisés pour les qualifications et qui handicaperaient l'IA pour la course? Je n'y crois pas une seule seconde quand on sait qu'à chaque fois l'IA trouve les réglages, enfin ajuste ses réglages en fonction des conditions météo. Pour l'instant, je suis remonté à la 5e place, ça fait 6 places de gagné à l'issue du départ. Et on n'y voit absolument rien. Ou Hamilton devant qui a probablement eu une petite frayeur au freinage en bout de ligne droite, puisque je l'ai vu un petit peu partir en travers. Et mon coéquipier qui est devant maintenant. Et on en finit avec le premier tour. Et je suis pour l'instant quatrième derrière mon coéquipier. Et là on est dans le tour 2, bientôt à la fin du tour 2. Et c'est Ricciardo qui s'est fait doubler au freinage de l'épingle par mon coéquipier. Et du coup, je suis aussi passé. Allez, on rentre dans le tour 5, on va faire un petit peu l'état des lieux. Pour l'instant, je suis toujours à la poursuite de mon coéquipier qui a pris un petit peu d'écart par rapport à moi et qui s'est rapproché de Rosberg, hein, le leader de la course actuellement. Les conditions qui sont toujours aussi pourries, c'est assez dantesque pour arriver à faire quelque chose. C'est pas évident, donc j'essaie de pas me faire trop décrocher par mon coéquipier. Parce que je sens qu'il va pas tarder à passer à l'action sur Rosberg. Et derrière, j'ai toujours Ricciardo hein, qui est à 2 secondes et demie plus loin. Donc ça patine toujours autant, comme vous pouvez constater. Allez, un point sur la course, on rentre dans le tour 8 maintenant. Et mon coéquipier a pris la tête de la course et vient de signer meilleur temps au tour. Rosberg est un peu plus en délicatesse avec sa voiture, donc du coup il s'est fait distancer par Fernando.
Et moi, pour l'instant, je suis un petit peu en délicatesse avec ma voiture. Alors peut-être les pneus qui sont en train tout doucement de perdre en efficacité. Toujours est-il que j'ai le retour des poursuivants derrière et donc Bottas qui a pris l'ascendant sur Ricciardo. Et du coup, il faut que je fasse attention à ne pas me faire doubler. Parce que les pilotes de tête sont quand même relativement loin. Pour l'instant, réaliser un bon début de course, un bon quart de mon premier quart de course. Les objectifs sont assez bien tenus dans la mesure où Hamilton a été mis un petit peu à l'écart. Bottas a tenté de dépasser dans la ligne droite, mais il n'y est pas parvenu. C'est très difficile hein, du coup d'être dans la peau du chassé. Parce qu'on passe son temps à regarder dans ses rétros. Et là, Bottas qui passe à l'intérieur. Hein, et une voiture un peu plus stable que la mienne probablement. Et ça passe. Et du coup ici on est un peu à la lutte. Il y a une petite touchette entre sa roue arrière et ma roue avant. Et du coup là j'ai réussi à contenir Bottas, il est repassé derrière, mais c'est pas dit qu'il repasse pas encore une fois de plus. Là le moteur Mercedes qui est un peu plus costaud. Pour l'instant j'ai réussi à résister à l'assaut de Bottas. Et on voit que derrière hein, c'est littéralement un petit wagon qui est emmené par moi-même. Alors que l'écart s'est largement creusé avec les pilotes de tête, hein, puisqu'il y a 12 secondes maintenant entre Rosberg et moi. Et on est donc dans le tour 11, et petit bilan de la course, comme vous pouvez le constater, eh bien, le bouchon a sauté, puisque mes pneus sont morts, et du coup la voiture est encore plus difficile à tenir. Et du coup, j'ai dû laisser passer pas moins de 3 voitures, dont Hamilton. Donc il y a Hamilton, Bottas et Vettel qui sont passés. Là, la voiture, je ne la tiens plus du tout. Je pense même devoir m'arrêter de façon anticipée et pas pouvoir attendre le 14e tour, hein, parce que là, la voiture patine de partout. Là, maintenant, c'est Ricciardo qui va pas tarder à prendre l'ascendant sur moi. Oula, Ricciardo ici qui vient de taper la voiture. Alors que j'étais à l'extérieur de la piste, hein, je pense pas lui avoir coupé la route. Mais le pilote australien qui est venu se poser sur le ponton de ma monoplace. Et du coup c'est Button qui en a profité et qui a pris une place sur Ricciardo. Donc, je suis désolé hein, si la course n'est pas aussi passionnante que vous l'auriez pensé. Allez, je vais tenter de rentrer au stand plus tôt que prévu pour aller chausser un train de pneus neufs parce que là, ça devient vraiment compliqué. Ce qui va permettre à cette petite troupe de passer. Un arrêt en 3 secondes 7, ce qui est correct. Et je vais ressortir à la 15e place. Peut-être même 16e hein, derrière Grosjean. Alors voilà, cette fois-ci on a les pneus neufs. On va pouvoir se remettre en mode attaque avec une voiture qui est nettement plus stable.
Moi, je devrais sans trop de difficulté prendre l'ascendant sur Grosjean. Bon, bien évidemment, le DRS qui est désactivé par rapport aux conditions météo. Petite touchette ici, Grosjean qui part à l'extérieur, mais ça se passe relativement bien puisque j'arrive à passer le pilote français, encore qu'il est à l'intérieur dans le virage là, et finalement abdique. Allez, on rentre dans le tour 18 maintenant, et je suis toujours au 8ème derrière Button. Et c'est toujours tendu entre le pilote britannique et moi-même. Donc ici, je vais quand même tenter de me montrer un peu plus menaçant sur ce tour. Un Button qui freine ici, qui me permet de, du coup de le passer, et on me donne un avertissement pour avoir causé une collision, alors que c'est Button qui a littéralement freiné devant mon nez. Et du coup je récupère la 7ème place de Button, et j'ai un objectif devant maintenant Ricciardo. Il faut que je repasse en économie d'essence, alors que la pluie semble s'être calmée un petit peu. Allez, on va rentrer dans le 21ème tour maintenant. Et l'état des courses, Alonso a repris la tête de la course. Rosberg a l'air de s'être loupé un petit peu, voire même peut-être bien, parce que il avait l'air d'être pratiquement sur place. S'il pouvait y avoir un safety car maintenant, j'avouerais que j'en serais pas mécontent, mais bon, ne rêvons pas. Toujours est-il que maintenant, Button qui était derrière moi s'est fait doubler par Hülkenberg. Hülkenberg tentait pour l'instant avec quelques endroits de me passer sans succès. Et moi je commence à voir tout doucement mes pneus qui commencent à perdre en performance. Donc on retrouve la situation qu'on avait avant que je m'arrête pour changer les pneus, c'est-à-dire une situation où je fais des tours très médiocres. Et où je suis obligé de constamment surveiller mes rétroviseurs pour éviter de me faire doubler devant Ricciardo, et largement loin. Et j'attends pour une sortie d'un safety car providentiel, ce qui serait miraculeux. Ça serait tout simplement génial. Et Rosberg qui signe le meilleur temps autour, c'était peut-être une fausse alerte, hein. Sur la minimap il avait l'air d'être un peu en train de perdre du terrain à grande vitesse sur Alonso. Néanmoins, je vois qu'il signe les meilleurs chronos encore, donc tout va bien pour lui, pas d'inquiétude à avoir. Et je suis toujours en train d'économiser de l'essence, hein, parce que là je viens de revenir dans un fonctionnement normal, mais j'étais en moins 1, ce qui pour finir la course me semblait être assez compliqué. Et on est dans le tour 23 maintenant, et des pilotes rentrent au stand pour aller chausser les intermédiaires, ce qui pourrait nous apporter peut-être le gain de quelques places supplémentaires.
On verra ce que ça donne sur Ricciardo, hein, qui est rentré donc au stand pour aller changer ses pneus. On voit hein, sur la piste une trajectoire qui s'est asséchée par endroit, légèrement. Hein. C'est pas flagrant, mais enfin. Et ici, j'arrive à passer en prenant l'intérieur sur Ricciardo. Donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Il reste 5 tours. Sachant qu'on n'est pas à l'abri que la pluie reprenne de l'intensité, alors que Ricciardo, une fois de plus, vient s'appuyer sur les pontons de ma voiture. C'est très sympathique de vouloir faire des choses ensemble, mon cher Daniel, mais je ne mange pas de ce pain-là. D'autres pilotes se sont arrêtés, bien évidemment, devant on retrouve Sébastien Vettel. Voilà le coup, ça serait que la pluie se remette à tomber plus intensément et que du coup les pilotes re-rentrent au stand pour les chausser des pneus pluie. Là j'avoue ce serait juste magique. Enfin. Et je partais un petit peu au large dans l'épingle et ça a été chaud avec Ricciardo. On s'est retrouvé roue dans roue, mais finalement le pilote australien a abdiqué et m'a laissé la 6ème place. Massa qui améliore encore les chronos. Je sais pas où est-ce qu'il se trouve sur le classement, mais. Je serais pas surpris de voir arriver une bombe blanche avec un casque vert. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne rentrerai pas au stand pour chausser les pneus intermédiaires, sachant que de toute façon, il reste pas grand-chose au niveau des tours. Et Ricciardo ici qui va tenter un dépassement au freinage. Je lui laisse la place à l'intérieur. Mais ça ne passe pas. Certainement en train de crier au scandale, mais pourquoi tu t'es pas arrêté au stand pour choisir les intermédiaires? Tu aurais dû le faire depuis longtemps. Bah, j'ai préféré rester en piste au cas où la pluie reparte d'intensité, et puis aussi parce que si je rentrais encore au stand, j'allais me retrouver peut-être beaucoup plus loin dans le classement. Et là, ici, Ricciardo qui fait son dépassement et qui passe. J'ai pas insisté, hein, je savais que de toute façon, tôt ou tard, le pilote australien allait finir par passer. Maintenant, dans l'idée, il faut que j'arrive à tenir les deux tours qui nous restent pour atteindre l'objectif de l'écurie.
Si je fais pas d'erreur et que je tire pas tout droit à un virage, normalement ça devrait le faire, hein. Je devrais arriver à finir devant les pilotes qui sont derrière. Même si là ils sont revenus très vite dans mes échappements. En même temps c'est normal, hein. Je suis en mélange pauvre. J'ai dû quasiment faire tout le Grand Prix en mélange pauvre malgré la pluie. Ce qui n'a pas arrangé les choses, hein. Ça a plutôt augmenté la difficulté de pouvoir se maintenir convenablement dans le classement. Hülkenberg qui tente l'extérieur, hein, sur le grand droite. Et Button a pris l'ascendant sur Hülkenberg, il a senti le coup venir et puis du coup il est passé. Button qui va tenter une attaque ici, il va falloir que je décroise ça certainement. Wow, freinage tardif. Ça m'a permis de récupérer cette 7ème place. Attention, hein, on n'est pas loin de finir au-delà des objectifs que m'ont fixé l'écurie, c'est-à-dire la 8ème place. Ce serait dommage de finir sur ce dernier tour avec cet échec, mais en même temps, si ça devait arriver, vous serez les premiers à me dire « On te l'avait dit, Angel, t'avais qu'à rentrer au stand, changer tes pneus ». Et mon coéquipier qui s'empare de la victoire sur cette course, très belle course de sa part, il a été solide, il est allé chercher les pilotes de tête petit à petit, il est remonté, il est allé chercher Rosberg, et puis il l'a passé. Et malgré que Rosberg ait amélioré à plusieurs reprises les meilleurs chronos en piste, il a réussi à le contenir, et a donc marqué des gros points pour le championnat du monde des pilotes et aussi des constructeurs. Et puis moi, si je finis à la 7ème place, ça fera quelques points de rajouter. Ça en fera certainement moins que le duo Mercedes qui aura très très probablement marqué encore des gros points sur cette course avec la 2ème place de Rosberg. Et voilà, du coup, je coupe la ligne de départ arrivée avec la 7ème place, ça me permet de rentrer dans les objectifs. Et vous voyez, hein, je vous avais parlé de Massa qui allait revenir comme une balle. Et ben, c'était pas si bien dire, puisqu'il était dans mes rétroviseurs à l'arrivée. Il est vraiment remonté très fort. Donc, une petite félicitation quand même de la part de mon écurie, et ça fait plaisir. Hein. J'aurais pensé, au vu du départ que j'aurais pu figurer sur le podium avec mon coéquipier, mais finalement bah les pneus ont eu raison de moi et de ma position sur la ligne d'arrivée. Et donc Fernando Alonso s'est imposé de main de maître sur cette course, suivi de Nico Rosberg et Lewis Hamilton, les deux Mercedes qui ont encore, même s'ils n'ont pas fini devant cette fois-ci, ont fini deuxième et troisième place. Derrière on retrouve Valtteri Bottas, Sébastien Vettel, Daniel Ricciardo. Je finis donc à la 7ème place, suivi par Felipe Massa, Nico Hülkenberg, Jenson Button, Kevin Magnussen, Sergio Perez, Daniel Kiat, Adrien Sutil, Esteban Gutiérrez, Romain Grosjean, Pastor Maldonado, Kamui Kobayashi, Jules Bianchi, Marcus Ericsson, Max Chilton, et un seul abandon à déplorer, celui de Jean-Éric Vergne, qui, j'ai l'impression, n'a pas fait beaucoup de tours. On passe maintenant aux résultats par rapport au championnat du monde des pilotes. Lewis Hamilton est toujours en tête et mon coéquipier est deuxième avec 39 points de retard. C'est encore pas fini. Nico Rosberg est troisième avec 51 points de retard. Moi, je suis quatrième. Toujours sous la menace de Sébastien Vettel. Il va falloir faire attention. Cette fin de saison, elle va être très disputée. Ensuite on retrouve Felipe Massa à la 6ème place, 7ème Daniel Ricciardo aussi qui fait une belle remontée, qui risque de récupérer aussi la 6ème place de Felipe Massa.
Valtteri Bottas 8e qui remonte aussi, hein, lui, tranquillement. Button qui finit 9e, qui est 9e pour l'instant. 10e Magnussen, 11e Hülkenberg, 12e Perez, 13e Romain Grosjean quand même avec 8 points, hein, qui est devant Jean-Éric Vergne, Daniil Kvyat, Pastor Maldonado, Esteban Gutiérrez, et c'est donc le dernier pilote qui a marqué des points pour l'instant depuis le début de cette saison. Au championnat du monde des constructeurs, Mercedes est toujours en tête avec 55 points, 555 points, pardon. Nous sommes deuxième avec 131 points de retard. Derrière, on retrouve Red Bull, beaucoup plus loin d'ailleurs. Pas très loin derrière, Williams, ensuite McLaren, Force India, Lotus, Toro Rosso, Sauber, Marussia et Caterham. Voilà, cette course qui est terminée, ça a été laborieux, hein. Je savais que la pluie, c'était pas mon fort, mais ça s'est vérifié. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et n'oubliez pas, un Tipeee est ouvert si vous voulez nous aider. Allez, à bientôt, salut à tous.